C'est un paysage traditionnel du nord du Vietnam. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. La culture du riz en terrasse. À flanc de colline, chaque étage est protégé par de petites bordures, des digues de terre. Ce sont elles qui retiennent l'eau. Car de toutes les céréales, le riz est celle qui est la plus gourmande en eau, plus que le blé et plus que le maïs. Mais si le riz aime autant l'eau, pourquoi les inondations ne sont-elles pas une bonne chose? Réponse avec ce chercheur, spécialiste du riz et du climat. Le riz supporte mieux l'inondation que toutes les autres cultures. Évidemment, si la plante est submergée et donc ne sort plus sa tête de l'eau, la plante va mourir. Le problème, c'est que les climatologues promettent de plus en plus d'inondations dans les années à venir. Et ce changement climatique devrait affecter au premier chef les zones tropicales. Pas de chance, 90% du riz de la planète est cultivé en Asie, justement dans des régions tropicales. En fait, avec le réchauffement de la planète, les cyclones ne seront pas nécessairement plus fréquents, mais ils seront plus puissants. C'est ce que nous explique Hervé Le Treut. Il est climatologue et membre du GIEC. Plus il fait chaud, plus on a en fait de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, puisque le niveau de saturation s'élève. Et cette vapeur d'eau, en se condensant, constitue un moteur extraordinairement efficace de circulation très violente. C'est ce qui explique la violence des cyclones. Et beaucoup d'indices laissent penser que dans un monde plus chaud, on aura aussi des cyclones qui pourront être plus puissants. Quel impact le changement climatique aura-t-il sur la culture du riz? Un centre de recherche américain, spécialiste de l'alimentation, vient de publier ses conclusions. Si rien ne change, d'ici 2050, la production mondiale de riz pourrait diminuer de près de 15%, avec de nombreux effets en cascade. Si la production baisse, les prix vont augmenter. Ce sera très préjudiciable pour les gens qui ont des revenus faibles et qui dépendent du riz pour l'essentiel de leurs besoins alimentaires. Les pauvres seront les premiers touchés. Il y aura plus d'enfants souffrant de malnutrition, plus de problèmes de santé, etc. 15% en moins, donc, d'ici 2050. Le problème, c'est que, dans le même temps, pour faire face à la demande mondiale, il faudrait que la production de riz augmente de plus de 30%. On connaissait l'or noir. Il se pourrait bien que le riz devienne demain un nouvel or, blanc. Alors, résumons-nous. 1. Le riz nourrit la moitié de la planète. 2. On vient de le voir, il est menacé par les dérèglements du climat. Conclusion, les enjeux sont aujourd'hui énormes. Vous allez voir d'ailleurs que des chercheurs sont déjà lancés dans une véritable course contre la montre. Ils veulent trouver le riz du futur, le dur à cuire qui saura résister à ces inondations. Quand l'avenir des rizières se joue sous un microscope, Philippe Lanier. C'est à l'université de Nagoya que tout a commencé, il y a 6 ans. Monsieur Ashikari est un généticien renommé, spécialiste du riz. Dans ce laboratoire, on s'intéresse à des variétés capables de résister aux inondations. Ouais, ça existe. Ça existe dans la nature, dans des zones de delta, c'est-à-dire des zones fréquemment immergées. Mais on ne savait pas exactement comment, ni pourquoi ces plantes résistaient. Avec son équipe, Monsieur Ashikari a réussi à isoler 2 gènes. 2 gènes qui permettent au riz de pousser, même quand le niveau de l'eau monte rapidement. Dans des conditions atmosphériques normales, c'est-à-dire sans inondation, ces 2 gènes sont comme endormis. Mais dès que la plante se retrouve noyée, les gènes se réveillent et permettent à la tige de s'allonger. Et voilà ce que ça donne. À gauche, une variété traditionnelle qui ne possède pas les 2 gènes en question. À droite, une variété dite d'eau profonde qui, elle, résiste à la montée des eaux. On simule une inondation. À gauche, le riz va mourir. Mais à droite, la plante va survivre. La tige s'allonge jour après jour, au fur et à mesure que l'on rajoute de l'eau. La plante garde la tête au-dessus de la surface. Elle continue de capter l'oxygène de l'air et résiste donc à l'inondation. Mais si du riz submersible existe, pourquoi ne l'avoir pas planté partout ? Dans toutes les zones inondables? C'est parce que son rendement est très faible. Il donne 5 fois moins de grains que les variétés classiques. Difficile de convaincre les paysans. Et c'est là que M. Ashikari a eu une idée. Avec son équipe, il a sélectionné et croisé des dizaines de variétés dans un champ expérimental.
D'un côté, des plantes qui possédaient les gènes de résistance aux inondations. Et de l'autre, des plantes à grand rendement. Des croisements, donc. Ce n'est pas de la recherche OGM. Dame Nature a fait le travail. Il nous montre les premiers résultats. Ça, c'est la variété que l'on a créée. On voit bien la différence. Regardez la taille de l'épi et le nombre de grains de riz. On voit bien que là, l'épi est deux fois plus long et qu'il y a entre 3 et 4 fois plus de grains de riz. Un riz submersible avec un plus grand rendement, c'était une première victoire de la recherche. Mais M. Hachigari est perfectionniste, il ne s'est pas arrêté là, il a même pensé au goût du riz dans les assiettes. En Asie, selon les pays, on apprécie deux sortes de riz, très différents. Il fallait donc travailler sur deux variétés de riz submersibles. En Asie, la plupart des gens aiment le riz indica. Nous, au Japon, on préfère le riz japonica. Vous voyez, les grains, ils ont une forme différente. L'indica est long et fin. Le japonica est petit et rond. Et il est plus collant. C'est pourquoi on a produit à la fois une nouvelle variété de riz japonica et une nouvelle variété de riz indica. À ce stade de la recherche, il reste encore à faire des essais, toujours en plein champ, mais à plus grande échelle. Les nouvelles variétés de riz submersibles pourraient être commercialisées d'ici 5 ans. De quoi contrer les caprices du temps et aider des millions de petits paysans asiatiques à sortir la tête de l'eau.